ville de Kindu, dans le Maniema, il s'observe depuis un temps la rareté et la hausse de prix de l'essence. Cette situation occasionne la surfacturation du prix de transport en commun, d'où les plaintes de la population sur le coût de la vie. Daniel Kazouza pour ce reportage. Il s'observe dans la ville de Kindu depuis quelques jours la hausse du prix d'un litre d'essence. Cette situation inquiète déjà non seulement les opérateurs économiques de ce secteur, mais aussi les propriétaires des engins roulants vivant dans les chefs de la province du Maniema. Constant Fay, lors d'une ronde que nous avions effectuée au niveau des stations d'approvisionnement d'essence, aux pompes et aux stations de détail. À ce jour, un litre d'essence se vend à 5 500 francs congolais à la pompe, allié place de 4 500 francs congolais, chose qui justifie même la hausse d'un bidon qui se vendait à 100 000 francs congolais il y a quelques jours, mais qui se négocie actuellement à 125 000 francs congolais. Contactés à ce sujet, les opérateurs économiques justifient la hausse du litre d'essence au délabrement du tronçon routier Kisangani ou Bundu, mais aussi à l'arrivée tardive dans les chefs-lieux du Maniema des baleinières qui opèrent sur la voie fluviale Ubundu-Kindu. Nous avons le problème de la route de Tireli-Sangani et Ubundu. Cette route est tellement dans l'état là très détérioré. C'est ce qui fait en sorte que au Maniema, le carburant puisse monter à la hausse. Alors, nos autorités de la province du Maniema sont entrées en contact avec les autorités de la province de Djoko. J'essaie un peu de regarder. Et ce n'est pas seulement le carburant, nous avons d'autres produits qui sont tellement traînés au niveau de Kisangani pour venir au Bundu. De leur côté, les propriétaires des engins roulants et ceux qui sont dans les transports en commun déplorent cette hausse brusque d'essence alors qu'il n'y a pas carence de ces produits dans la ville de Kindu. Ils demandent par conséquent les autorités compétentes de s'impliquer pour une solution idoine et en toute urgence. On a vraiment un sérieux problème parce que On ne voit pas vraiment carence de sens et nous regrettons totalement de la hausse de prix et nous demandons aux dirigeants de s'imprégner un peu dans cette situation parce que nous avons des difficultés pour rouler avec nos véhicules, nos motos et consorts. Cette situation occasionne actuellement la surfacturation du prix d'une course des villes dans les transports en commun de 500 francs congolais à 1000 voire même 1500 francs congolais.